Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0. Et donc, dans cet épisode, nous allons peut-être faire un petit peu d'histoire, ce serait peut-être pas mal. En effet, mais avant ça, il va nous falloir faire en sorte d'être bon niveau bouffe. Et donc, on va cuire quelques steaks. Hop. Quelques patates. Et peut-être un petit peu de popcorn. Toujours bon le popcorn. Ok, nous voilà bon. On a donc une bonne quantité de bouffe sur nous. Nous devions, vous vous en souvenez peut-être, aller alimenter la porte avec tout ce qui est, tout ce qui peut être utile. Même je dirais niveau énergie, c'est-à-dire les core fragments. Tout ce qu'on a pu trouver d'utile en fait en début de partie, tout simplement. À chaque fois qu'il y avait une mise à jour récente, c'était ce qu'il fallait trouver. Donc, on va y aller. Oh, ça tombe bien, il fait jour en plus. Est-ce qu'on peut par contre se donner un petit peu de bouffe? Hop, deux popcorn, ça va être suffisant, voilà. On retrie tout ça et c'est bon. La forêt a très très bien poussé, c'est une bonne nouvelle. On a pu tuer notre ami. Hop, ah oui, il y a ce coup-là, c'est vrai. Et il y a ce bouclier, il faudra que je revoie aussi. Parfait, bon bah écoutez, on y va. On y va. Activé. Wouh! Oh, ça crée un truc. Il semblerait que tu aies réussi à activer la porte. Et on dirait qu'il y a un nouveau message qui arrive. S'il te plaît, viens. J'ai urgemment besoin de ton aide. L'univers en dépend. Utilise l'ancienne porte et rencontre-moi dans les ruines de l'Arche. Juste après l'outpost. Bah écoute, compte sur moi. On y va. Ou juste avant. Je sais pas. Just past. Ok. Wouh, on est à l'autre poste finalement. On peut donc ici acheter des flashlights. D'accord. Des batteries. C'est extrêmement cher d'ailleurs. De la soie, des canevas. Bref, plein d'objets apparemment. Sympa. Bonjour. Donc vous le savez tous, il y a des quéquettes là-dedans. Hein. Ok, ça c'est fermé, d'accord. Pourquoi pas. Dans le frigo, y'a rien. Truc à bouffe. Ah, si j'avais su, j'aurais attendu. Bah, je peux en faire 5, petit pain. Parfait. Sweet popcorn. Oh. Oh, le jeu. Le jeu qui tente de me la faire à l'envers. Le sac. Qu'est-ce que... Oh, ça va être intéressant d'aller visiter ça. Ça va être carrément intéressant d'aller visiter ça. Des messieurs avec des quêtes. Bonjour. Je sais développer des technologies qui pourraient permettre à l'utilisateur de dasher d'un point à un autre, mais je suis en manque de composants cruciaux pour mon prototype. Prototype m'a rapporté 10 copper bars. Écoute, pas de soucis. Je vais te faire ça quand tu veux, l'ami. Je vais faire un petit aller-retour sur le vaisseau, puis je te ramènerai ça. Je les ai en quantité en plus. Yo. La poubelle ici. Deux trucs moisis. On veut toujours rentrer dans les poubelles, dans les chiottes, pardon. Oui, parfait. Bonjour. The Lost Teddy. My Little Dipper Lost is Dear Teddy Bear. Donc Little Dipper était un personnage qu'on a pu voir dans une dev update sur le blog. Il a perdu son petit ourson. Je ne peux donc pas finir les shops. S'il reste comme ça, pourrais-tu me trouver un autre teddy bear, s'il te plaît? Bah oui, écoute, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un gamin? Alors. Hop, vide, 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 vide. Ok, ça met dans l'ambiance. Aïe. Ici, ça me semble fermé aussi. Hop, je peux voir une poubelle ici. D'autres poubelles là. Mais rien d'intéressant dedans. On va remettre sur 5, que je puisse visiter tout ça. Bonjour, monsieur. Ah, non, c'est pas lui, c'est le pingouin. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, tu veux bien. Le business ici n'est pas aussi bien que...
ne se passe pas aussi bien depuis que tous mes clients réguliers se sont échappés de Dreadwing et de son gang d'abrutis. Peux-tu y aller et battre Dreadwing pour moi, s'il te plaît? Parce qu'il ne le dit pas s'il te plaît, mais moi je le rajoute. Viens me parler quand tu seras prêt et je t'enverrai directement. Ok, si tu veux. On va attendre un petit peu, hein. Je suis peut-être pas prêt pour Dreadwing. C'est tellement sympa cette table. Ok. Ben, y a un paquet de choses à faire. Il y a un paquet de choses à faire. Au niveau des quêquettes, on va commencer par les quêtes secondaires. Vous savez, j'aime bien terminer les quêtes secondaires. Avant toute chose. Ah, je peux remonter déjà sur le vaisseau. Et est-ce que ce téléporteur là est fonctionnel ou... Oui. Oui, 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 parfait. Alors écoutez, on y va. On va gagner du temps parce que si on doit passer par la porte à chaque fois, ça va être chiant. 10 barres de copper. Est-ce que je... Oui, je vais en avoir suffisamment normalement. Hop. Oui. Hop. Les 10 barres de copper, c'est bon. Le teddy bear, je l'avais vu quelque part. Ici. 20 woven fabric et 4 cotton wheel. Alors c'est embêtant parce que les cotton wheel, je voulais les garder. Hop. Je vais mettre ça là. Je vais faire la cotton wheel. Putain, il en faut 3 pour faire... Oh la vache. Ah, ça va être compliqué. Juste par principe, je vais aller voir vite fait où en sont celles que j'ai plantées. Ça n'a pas poussé plus que ça. Peut-être besoin que je les arrose un coup. Non, ça a l'air d'aller pourtant. On va replanter un petit peu de blé. Ok. Bon. C'est pas grave, on remonte. On va aller donner les textes directement au... Enfin, les 10 barres de copper au, justement, chercheur en texte. On se téléportera ici. Hop! Voilà! Crac! Bon! Monsieur, j'ai vos textes! Enfin, j'ai vos barres de copper, pardon. Merci, tu m'as ramené les trucs dont j'avais besoin. Alors, tu as obtenu un manipulateur module. Avec suffisamment de ces choses, tu pourras améliorer ton matière manipulateur. From the access panel, donc à partir du panneau d'accès, ici. Il en faut un paquet. Il en faut un paquet, ok. Alors, je suis dans le menu de trucs, là, de dialogue. Ma tech de dash a besoin d'être proprement testée avant que je puisse en produire les produire en masse. Voudrais-tu réussir ma... Veux-tu l'essayer durant ma course d'obstacle? Parle-moi quand tu seras prêt et je t'y enverrai. Bah écoute, oui, y a pas de problème. Je suis prêt. Depuis le temps que j'attends ça. Allons-y. Hop. Ah la vache, faut être rapide. Hein. Hein. Oh. J'ai trop de talent. Alors juste par principe, j'aimerais... D'aller comprendre. Allez là et ouvrez la porte. Hop, parfait, on sort plutôt bien. Ce sont des blasters cryogéniques. Ils ne sont pas létales, mais ils pourraient te ralentir très, très énormément. La vache, oui, ça ralentit pas qu'un peu. Hop, réussi. Ah
Hop. Ah. Non. Oui, c'est bon. Parfait, on a réussi. Wouh. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, chers amis. C'est même superbement bien fait. Ok, Elliot. Parce qu'il s'appelle Elliot, apparemment. La tech dash a apparemment bien fonctionné, parfaitement fonctionné. Wonderful, merveilleux. S'il te plaît, prends cette tech en tant que remerciement pour m'avoir aidé. J'ai aussi d'autres parties que j'aurais besoin de tester. Donc viens quand tu veux et dis-moi quand tu es prêt. D'accord. Il va me falloir 10 silver bars. J'en ai, ça tombe bien. J'en ai, on va en profiter. Hein. Wow. Ah, je l'ai pas vu venir ce coup-là. Beam to ship. Parfait. Bon. On va se faire quelques techs alors, c'est sympa. Ah oui. Faudra vraiment que je règle ces problèmes de place. Hop. Voilà. Par principe, on va quand même retourner voir vite fait sur la planète s'il y a eu une évolution au niveau des fleurs de coton. Non, pas du tout. Pas du tout. Il va vraiment falloir un peu plus alors. Hop, on va essayer d'aller faire un petit tour sur la planète. Voir si on peut en retrouver. Parce que là, vraiment, on en a besoin. Je me doute qu'il y aura sans doute un biome particulier où j'en trouverai plein, mais... Ah, j'avais oublié ça. Mince. Je suis stupide. N'empêche que je trouve pas ce dash très rapide. Par principe, je tiens à le dire, mais... Ça, c'est du coton. Hop, cotton seed, parfait. C'est à peine si je l'avais vu, celui-là, dis donc. Dis donc. Oula, ça fait mal. Hop. Cotton fiber, j'en ai chopé une de plus. Hop, on va aller fouiller la tombe. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Oh mon dieu. Oh, du coton. Génial. Du café. Non, Pearl Please. Dommage. Hop, prends ça. Ville créature. Il est un peu loin et je vais pas pouvoir sauter, c'est chiant. C'est chiant. C'est à cause de l'arbre que je peux pas y aller en plus. Hop. Non. Hop. Merde, je peux pas passer. Ah, mais... Soyez pas si violents. Je vous ai rien fait, j'ai juste détruit votre cœur. Calmez-vous. Voyons. Alors, la suite. Oh, une tour. Sympa. Et non, c'est haut. C'est haut. Santiano. Je la referai plus, je suis désolé. 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Hop, bonjour. Ah. Hop. Oh. Matter manipulator module, génial. J'aurais dû prendre les plateformes, j'ai été stupide. C'est pas grave. Hop. Ah, j'avais oublié les coups du poison. Et voilà, ça c'était gros comme un camion. Ça allait forcément arriver à un moment ou à un autre. On y retourne.
Catastrophe. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Oh, du coton. Catastrophe, chers amis. Hop. Allons-y. Lâche-moi. Hop. Merci pour le cuir. Lâchez-moi. Lâche-moi les basques. Lâche-moi les basques. Lâche-moi les basques. En plus, j'ai perdu des pixels et c'est vraiment chiant. Hop. Que combo. Hop, voilà. Niveau combat, on commence à se débrouiller. C'est vraiment bête qu'il y ait eu cette chute. C'est vraiment embêtant. Et du coup, j'ai déjà peu de PV aussi, là, cette fois-ci. J'ai déjà peu de PV, là aussi. Hop. Parfait. Puis c'est vraiment dommage que... Ah, bref. Et puis j'ai pas de cordes en plus sur moi. Faut vraiment falloir que je trouve de quoi me faire des cordes. Hop. Genre ici. Est-ce que j'ai de quoi m'en faire une? Oui. Écoutez, on va l'utiliser. Même si, comme vous le savez pratiquement tous, hein, les cordes sont très bizarres à utiliser dans ce jeu. Aïe. Ok, il y a un autre ennemi. Il y a eu un suicide devant nous. Ok, on y va en douceur. Ah, je crois qu'ils ont réglé le problème de la vitesse. Oh, génial. Ce problème a été corrigé, donc. Excellent. Eh, des coffee beans, non? Ah non, cacao pod. Oh. Non, cocoa. Cocoa pod, d'accord. Bizarre. Pourtant, c'est parce qu'il faut pas de chocolat, donc... Donc moi, je considère que du cacao. Voilà, c'est dit. Hop, merci. Hop. Apparemment j'ai récupéré plein de trucs. Hop. Voilà. Alors la suite. Oh, un log. Je peux m'asseoir dessus. Je vais le récupérer. J'aime bien ce truc là moi. Puis le feu de camp, bien sûr, je le récupère aussi. Hein. C'est important. Un feu de camp, ça aide toujours. C'est vrai en plus. Hop. Meurs. Meurs. Hop. Évite de me refaire ça la prochaine fois, s'il te plaît, merci. La canne à sucre. Génial. Oh, de l'eau. Ah, de l'healing water. Et combien qu'il faut pour que je récupère des liquides? 3. Oh, quelle horreur. Oh, bonjour. Voilà comment on dit bonjour dans ta langue. Non, j'aimerais vraiment trouver le healing water. Enfin, trouver le matter manipulator restant. Le module restant. Oh. Bonjour. Hooray. Oh, une pickaxe. Et des core fragments. Génial. Bonjour. D'accord, il me dit d'aller dans les profondeurs pour trouver des choses. Trouver des fléchettes, d'accord. Des choses ici et de la bouffe. Ok, pourquoi pas. Ok.
Moi, je suis partant. Apparemment, il y a de la vie dans cet endroit. En voilà une bonne nouvelle. Ok. Ok. Ça se passe pas trop mal. Souci, le principal souci étant qu'il faudrait que je mette une pétoche. Ici. Hop. Parfait. Et ça soigne bien une tente. What? What the? Aïe! 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 Pourquoi est-ce qu'il m'a bump? Aïe! 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 Ok, il est presque mort. Aïe. Wouh, on l'a eu. Eh ben, c'était pas simple. Et il avait plein de corps fragments en fait sur lui. Oh, le troisième anip... Oui. Oui. Génial. Génial, génial. Et même une tech card. À quoi ça correspond exactement dans cette mise à jour, je ne sais pas. Mais je peux enfin récupérer des liquides. Et ça, c'est vraiment magique. Wire mode. Area of effect. D'accord. Power. Ok. Optique. Ah, on peut monter, même augmenter la portée, en fait. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. I. On va y mettre des choses ici. Et non, ça c'est la planète, le truc de ma planète. J'ai pas envie de les gaspiller bêtement. Hop, voilà. Oula. Ok. Ok. Ok, ça s'est plutôt bien passé. Ici, un peu plus de core fragments. Et on a des bandages, peut-être en prendre un. Hop, parfait. Ici, je peux poser ça comme ça. Oh! Gradius Earth Sticker. Qu'est-ce que c'est? Intéressant, ça me plaît. On va le mettre à la place de l'épée. Hop, boum. D'accord, il y avait rien, il y avait un monstre dans l'eau, mais à part ça, rien du tout. Ok. Bon, bon, bon. Ça se passe plutôt bien. Par contre, je vous admets un truc, je sais plus du tout ce que je cherchais à la base. Ah oui, du coton. Du coton. Hop. Oh. Upgrade manipulateur module. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ça me semble sympa. Aïe. Hop.
Merci de bien vouloir repasser plus tard. Hop. Qu'est-ce qu'on avait ici? D'accord. Rien. Et ici? D'accord. Apparemment, je ne peux pas remonter par là. Rien ici. Et rien là. Vivement qu'on ait de quoi s'éclairer dans une en backpack. Hein. Ça va vraiment devenir une nécessité. Hein. Ok, bon. Bon. En soi, c'était un combat intéressant. Hein. Ça prouve à quel point le jeu va être dur. Mais bon, c'est pas plus mal. Ça met dans l'ambiance, comme on dit. Parce que si ce genre de mini-boss, il apparaît souvent... Faut pas se voiler la face en branchier. Hop. Core fragments. Oula. Je t'ai vu venir dans mon dos. Je t'ai vu venir dans mon dos. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tellement mignon. C'est un parasite. Qui vous donne... des yeux roses, ok. Tant mieux hein, si c'est que ça qui me donne. Tant qu'il me fait pas un enfant dans le dos. Et je dis littéralement dans le dos, hein, que j'ai pas un bébé qui me pousse dans la nuque ou n'importe quoi. Ah bah là, ça monte beaucoup moins vite niveau santé, je trouve. Cependant, ce qu'on peut faire par contre, au point où on en est, c'est manger un petit coup. Un bon steak avec de la patate. C'est un grand classique. Mais ça marche toujours aussi bien. Oh! Qu'on a dans le coin. Hop. Hop. Tech card. Génial. Est-ce que vous voulez que je les fouille avant de les vider de cette manière? Ah, il me saoule ces petits trucs là. Si vous saviez. Ok. Rien et rien. Dommage. Ok. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oula. S'il y a des monstres. Oh, une guitare électrique. Génial. Enfin, je remets de la musique. Raté, t'es vraiment nul, hein. Faut pas se voiler la face, t'es vraiment nul, hein. Je rêve ou c'est... Non, c'est un passage secret. Ah non, c'est juste complètement bloqué au-dessus, hein. Ok, ils ont pas fini de miner par là. Littéralement. Bon, bah, on va remonter, alors. On remonte, on remonte, on remonte. Bon, et ça se passe assez bien, hein. On peut pas le... Bon, là-bas, j'étais parti chercher du coton, hein, mais bon. Ce que j'ai trouvé, franchement, est loin d'être mauvais. Hein. J'ai amélioré mon matériel manipulateur. Non, non, franchement, je suis très content de l'avoir fait. Le boss était surprenant. Hop. Maintenant, si je peux aller récupérer un petit peu de d'eau magique, littéralement, hein, ce serait vraiment parfait. Ce serait vraiment parfait. Vous savez qu'avec ça, moi, je fais des douches de soins, des cuves de Bacta. Ah, ah, c'est bonheur, là. Honnêtement, c'est bonheur. Hop. Cool. Bon. Ça c'est fait. Maintenant il faudrait continuer à trouver un petit peu de coton. Ce serait vraiment génial d'en trouver un peu plus.
Faut 4 x 3, 12, je crois, de mémoire. Parce que j'avais déjà une cotton wool. Cotton wool. Enfin bref, j'avais déjà une boule de coton. Il m'en fallait encore 3 autres, mais il en faut 3, donc c'est 3 x 3, 9 plutôt. Je sais plus. Je sais plus s'il en faut 3 ou s'il en faut 4. Le liquide, on récupère. Je suis désolé, hein, mais le liquide, c'est... ce liquide-là, c'est vraiment de la vie, hein, littéralement. Hein. C'est de la vie, c'est pas la vie, c'est de la vie. Hop, merci de me vouloir décéder. Remarque, de l'eau, je pourrais... Bon, je récupérerai sur une planète particulière. On verra le moment venu. Alors. Hop. Hop. Comment je vais faire ici? Je refais un petit truc comme ça. Allez. Aïe. Non, ça va. Je crois que j'allais me prendre un sale coup. Hop. Crac. 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 Ah, là, ça va être plus compliqué, par contre. Ok, faut que je sois plus malin que ça. Hop, voilà. Maintenant je sais que ça passe en plus. Alors du coton, du coton, du coton, là on n'est pas. Par contre apparemment on a déjà fouillé le coin. Ce qui veut dire qu'on a déjà fait un tour de la planète. Oui, parce que je reconnais l'endroit, c'est plutôt un endroit où j'aurais creusé ça en fait. Ah, zut. Hop. Oula, doucement Marcus, doucement. Parfait. Hop. Une charponnette low. Bon. Oui, on a fait le tour, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre là où nous étions postés, là où nous avons fait notre petite zone d'agriculture précaire. On va récupérer le coton qui est sur place aussi, ça peut être sympa. Et surtout, on va essayer d'en planter un petit peu. Là. Hop. Ok. Là et ici. Ok, ça c'est bon. On va essayer de mettre un petit peu aussi ici de d'irrigation. Alors. Cette chaise me saoule entre les craquements et le fait qu'il glisse sur le sol, c'est saoulant. Je suis désolé, hein, je sais que c'est, j'en parle souvent de ma chaise, mais c'est une véritable vexation cette chaise. Je l'ai payé un prix de connerie. On m'a assuré que c'était bien et au final elle craque de partout. Et elle pète de partout. Enfin elle queen de partout et elle craque de partout plutôt, ça peut se faire comme ça. Alors, on a 10 trucs d'argent. On a de quoi faire le teddy bear ou pas? Je pense pas. Il en faut 4. J'ai de quoi en faire 2. Et donc là, ça m'en fait 2 sur 4. J'en avais un troisième dans le long. Cotton fiber. Voilà, ça m'en fait 3. Et j'en ai pas assez. Mince. On va aller voir le mec à l'autre poste. On va lui donner les 10 trucs d'argent. On va aller voir qu'est-ce qu'il peut nous offrir en échange. Ça peut être sympa. Hop. Yo. Merci. My Pulse Gem Tech. Donc mon... Bah, la Tech Pulse Jump, hein, qui est vraiment géniale. A besoin d'être testée avant que je puisse la distribuer. Ma nouvelle piste d'obstacle. Et prête et t'attends, reviens me parler pour voir si tu es capable de le faire. Ok, bah on y va alors. Go for it. Moi j'adore cette tech est vraiment pratique. Vous avez pu voir à quel point on en chie des fois pour sauter. Hop, vous voyez à quel point c'est pratique et je fais ça tout avec mon... Hop. Et quoi en bas? Non, je peux pas la récupérer cette flotte là je pense. Hop. Hop, c'est très facile jusque-là. Hein.
Ah, je l'ai raté. Ah, ça m'apprendra. Ça m'apprendra à dire que c'est facile. C'est comme hier soir, hein. Hier soir je jouais en live. J'ai fait un live, chers amis, il y a pas longtemps, donc du coup. Sur Overwatch, et à chaque fois je disais que je me débrouillais bien, j'étais, par exemple, je meurs pas avec Chopper, génial. Et ben bim, deux secondes après, je meurs. Moi, le jeu me troll. Et pas je me troll, hein, mais le jeu me troll. Ok, quoique, ça veut peut-être bien dire que je me troll aussi tout seul. Cette tech pulse jump semble d'être semble fonctionner parfaitement. Garde celle-ci, tu l'as bien mérité, viens me voir encore si tu as besoin de plus de travail. Donc, j'imagine qu'il veut de l'or maintenant, voilà, c'est ça. Je m'en doutais un petit peu. Cool, bah écoutez, on a des techs vraiment sympas là pour le coup. Par principe, par principe, je veux bien aller voir si on n'a pas récupéré un coton qui a popé. Et sinon, on va se laisser là pour cet épisode. Non. Ah si, un coton. Un ou deux. Un. Ah, dommage. Dommage, dommage. Vraiment dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Potato seeds. On replante des patates. Hop. Crac. Est-ce qu'il est prêt ou pas celui-là? Je crois que je vais attendre encore un peu pour voir s'il sera prêt la prochaine fois. On remonte. Et on se laisse les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, par le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo!